C'est cette vidéo sur les suites arithmétiques. Nous allons voir la somme des termes d'une suite arithmétique. Dans une vidéo précédente, nous avons vu qu'il s'agit d'une démonstration fondamentale que la somme des n premiers termes, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à un entier n, est égale au produit n facteur de n plus 1 sur 2. Ce résultat-là est un préalable au calcul de la somme des termes d'une suite arithmétique. Dotons-nous donc une suite un arithmétique de premier terme U0 et de raison R. On va appeler Sn la somme U0 plus U1 plus etc. jusqu'à Un. Et c'est cette somme-là qui nous intéresse. Vous devez savoir que c'est un autre résultat fondamental que le terme général d'une suite arithmétique Un avec les conditions données par l'énoncé est que Un est égal à U0 plus n fois r. Et bien avec ces deux résultats et les notations d'énoncé, on va pouvoir écrire que Sn est donc égal à U0 plus U1. U1 est donc égal à U0 plus une fois r plus U2 est égal à U0 plus 2 fois r plus U3 qui serait égal à U0 plus 3 fois r. Et nous ajoutons après tous les termes un par un jusqu'à un qui est égal à U0 plus n fois n. L'idée va être de simplifier cette somme qui est un petit peu longue. La première idée déjà est de compter le nombre de U0 qui vont s'ajouter. Il va y en avoir n plus 1. U0 est donc facteur de n plus 1. Et ceci s'ajoute maintenant à r plus 2r plus 3r plus nr. On observe que r est en facteur dans la deuxième partie de ma somme, et donc on va pouvoir factoriser par r, et donc cette quantité est égale à n plus 1, facteur de u0, plus r, qui va être facteur, lui, de 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus n. Et là, nous rencontrons le résultat de la somme dont nous avons parlé en préalable, qui est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Du coup, ce résultat-là est égal à n plus 1 facteur de U0 plus R facteur de n facteur de n plus 1 sur 2. L'idée va être de réduire un peu cette expression. On observe encore que n plus 1 est en facteur dans les deux termes, ici et ici. Et donc, on peut écrire que cette somme est égale à n plus 1 facteur de U0 plus R fois n divisé par 2. Qui est donc égal à n plus 1 facteur de 2u0 plus rn divisé par 2. L'astuce consiste maintenant à décomposer 2u0 en u0 plus u0, qui peut du coup se décomposer en u0 plus, et on reconnaît dans cette expression u0 plus r fois n, le terme un. Et au total, on a réussi à démontrer que sn est égal à n plus 1 sur 2 facteur de u0 plus un. Voyons voir un exemple, on donne un suite arithmétique de premier terme u0 qui est égal à 3 et de raison r qui vaut 4 et on me demande de calculer la somme de u0 plus 1 plus u2 jusqu'à u34. Eh bien, il suffit d'appliquer bêtement cette formule. On a n qui vaut 34. Donc, la formule va être 34 plus 1 facteur de u0 3 plus u34 qui est donc égal à 3 plus 4 fois 34 U0 plus NR. C'est donc égal à 35 demi, facteur de 6 plus 136, 4 fois 34. 6 plus 136, 142, divisé par 2, 71. Cela est donc égal à 71 fois 35, qui fait 2485. Ce résultat peut se retrouver en programmant votre calculatrice. Une façon intelligente et mnémotechnique d'apprendre cette formule consiste à dire qu'elle est égale au nombre de termes multiplié par premier terme plus dernier terme divisé par 2. Cette vidéo est terminée.